cette loi. Je l'ai tué, mon fils. Il m'a tué, mon fils. Ce matin, quand je me réveille, j'ai plus sa voix. J'ai plus la tête de mon fils. J'ai plus le sourire de mon fils. Tout le long de mon réveil. Je ne suis pas arrivée, je suis ici pour parler au nom de toute maman. Il peut avoir cette douleur-là. C'est très difficile. Je suis là aussi pour vous dire que le policier a été libéré. Pour moi, c'est inadmissible. Oh, il a fait de 4,5 de détention. Ce n'est rien. Ce n'est rien pour moi. Ce n'est rien. Il a enlevé une vie, monsieur. C'est pas qu'il a enlevé, monsieur. C'est pas qu'il a enlevé une vie. Il a enlevé deux vies. Il m'a tué en même temps. Le 27 février, c'est son anniversaire et mon anniversaire. Qu'est-ce que j'ai fait de ce jour-là? J'ai craqué le jour, le 27 juin, le jour de sa mort. Et ce n'est pas normal pour une maman. Comment accepter tout ça? Faut arrêter. Non, madame. Faut qu'ils arrêtent de tuer nos enfants. Je parle à tous nos mamans, à toutes les mamans, même ceux qui sont pas mamans ou papa. Peu importe. Remercie tous ceux qui me soutiennent, qui sont là pour moi, pour Maëlle, pour tous ceux qui sont décédés avant mon fils. Ils n'ont pas eu preuve, les pauvres, et que mon fils a eu preuve. Malgré ça, il est dehors. Et je continuerai à me battre, je battrai au nom de Maëlle, et faire justice pour Maëlle. Justice pour Maëlle. Justice pour Maëlle. Justice.